L'acte le plus important au niveau du sexe, c'est, surprise, 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 vous allez être surpris, c'est le baiser. C'est l'acte le plus érotique. Pourquoi? Parce qu'il dit tout. On n'a pas besoin de coucher. On va savoir s'il est froid, s'il n'est pas intéressé, s'il est court, s'il est baveux, on laisse tomber. En revanche, s'il est doux, s'il est sensuel, s'il est profond, s'il dure longtemps, c'est bon. C'est cet homme-là qu'il faut garder. Le yoga aide à se libérer sexuellement puisqu'il rend beaucoup plus souple. Et après une séance de yoga où le cerveau n'a plus fonctionné pendant 20, 30 minutes, une heure, il n'y a que le corps. Le corps est libre, le corps est libéré et donc sans verrou, sans entrave. Il rend également plus performant. Le yoga était au départ une pratique pour les hommes. Puisqu'il va améliorer leur pratique, ils seront moins pressés, puisque beaucoup plus endurants. Ils seront beaucoup plus souples, beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus gainés. Donc, ils pourront tenir tout seuls, ils n'auront pas besoin de s'écraser sur leur partenaire, ce qui est très, très, très agréable. Oui, ça... Le yoga améliore puisqu'il permet une ouverture des hanches beaucoup plus importante, la souplesse de tout le corps, même au niveau de la capacité respiratoire. Une pratique yogiste sexuelle extrêmement agréable également, qui permet aussi de faire le tri. Il s'agit de se regarder mutuellement dans les yeux le plus longtemps possible. Là, on va tout découvrir. On va voir si la personne est froide, si le regard est fuyant, au contraire, si on est captivé et si on se met à rire au bout de quelques temps. C'est bon, on a attrapé. Donc ça, c'est une pratique de tantra très efficace. Et la devise, toujours prête.